Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je me prépare pour ce week-end. Je fais un salon des créateurs. Là aujourd'hui, on est le vendredi 20 septembre. Cet après-midi, je vais préparer mon stand du coup pour le salon de demain. Donc je vais pouvoir un peu tester l'emplacement de chaque chose, voir ce que je mets, voir ce que j'enlève. Parce que demain, du coup, toute la journée, de 10h à 19h, il y a le salon des créateurs. On est trop bien situé, on est dans le centre d'Orléans. Donc ça c'est trop bien, j'espère qu'il va y avoir du monde, j'ai trop hâte de parler avec les gens, de faire connaître mon métier, de me faire connaître moi. Et ouais, ça va être trop cool. Et donc je me suis dit, vraiment il faut que je partage ce genre d'événement, déjà moi pour que ça me fasse des souvenirs, et puis même pour montrer un peu l'envers du décor, comment les choses se passent. J'ai un stand avec 4 autres femmes, donc 4 autres entrepreneuses. Il y a une coach en nutrition, une prof de yoga, une hypnothérapeute et une psychothérapeute, et du coup moi, naturopathe réflexologue. Donc on a vraiment un petit coin bien-être, donc j'ai trop hâte de voir comment ça va rendre toutes les 5 ensemble. On a chacune nos univers, mais on est vraiment réunis toutes les 5 ensemble. Bref, j'ai trop hâte de vous montrer ça, j'ai trop hâte de commencer à installer des choses. Demain matin, avant l'ouverture du salon, je vais quand même amener tout ce qui va être matière première que je vous montre là à l'écran. Ça va être tous les trucs que je vais mettre sur ma table, mais que j'amènerai vraiment demain au dernier moment, parce que j'ai pas envie de laisser ça toute la nuit, même si c'est protégé. J'ai quand même pas confiance. Et ce soir, il y a une cérémonie aussi de la couveuse, parce que c'est la couveuse qui organise ce salon des créateurs. Une couveuse d'entreprise, c'est une genre d'association qui aide des créateurs, des entrepreneurs pour se lancer au départ, parce que la création d'entreprise, c'est pas facile. Et donc, ça permet vraiment d'être accompagnée, d'être aidée dans ce processus. Et vraiment, je suis trop contente d'être en couveuse. Et donc, ils organisent un peu ce salon pour nous faire connaître. Donc déjà, j'ai trop hâte de voir qui y a d'autre dans ce salon. Je vais essayer un peu de faire un tour auprès de tout le monde pour un peu vous présenter tout le monde. S'ils veulent bien, évidemment, je vais pas les forcer, s'ils veulent pas qu'on les filme. J'espère pouvoir filmer un maximum tout en étant aussi à mon stand, parce qu'il faut que je travaille. Je suis pas juste là pour faire un vlog, je dois aussi travailler. Donc c'est pour célébrer les 1000 contrats, donc les 1000 entrepreneurs que la couveuse aide. C'est les 30 ans de la couveuse, ça fait 30 ans qu'ils font ça. J'ai rendez-vous à 13h30, 13h45 pour commencer à installer mon stand, préparer mon stand. Donc, let's go, vous allez venir avec moi. Chris, I never thought it'd be this. I'm jumping out of your arms. I land and fall in a pit. This what they call the abyss. I fought and clawed for an inch, turning a miracle mile. I could recall when your lips used to contort into smiles, bright as the sun that's drawn an eclipse. I haven't seen light in a while, hasn't been bright in a while. Risk. Conclusion foregone and confuse you. Where your war zone is torn long. I'm ready to go home. I'm ready for your bag. Can you comb my hair out so don't dread? I just want my head rub. I don't want to make tape. I just want to best up. I just want to get grub from our spot again. But do the odds work in our favor? Stay down. It's cake time. Head low and face down like a kennel greyhound. Doing God's work in the devil's playground. Du coup, me voilà rentrée. Voilà ma tenue pour la cérémonie de ce soir. J'ai voulu quand même être bien habillée, mais je voulais pas trop en faire parce que ça reste une cérémonie genre chill. Mais voilà, je me suis dit en vrai c'est un bon compromis, ça fait quand même classé professionnel. Puis j'avais trop envie de mettre en avant ce haut qui a été fait par Genesis, je vous mets son Instagram. Elle est trop adorable, elle est trop talentueuse et c'est vraiment genre
ma pièce préférée de ma garde-robe, je l'aime trop. Donc j'avais envie de la mettre. C'est la première fois que je la mets, genre depuis que je l'ai reçue. Donc voilà, je suis trop contente. Du coup, vous avez vu un peu, j'ai essayé de filmer l'endroit. Demain, je vais vous faire des vrais plans de coupe. Là, j'étais un peu pressée par le temps. J'ai installé les trucs de base, donc vous avez vu la nappe, etc. J'ai mis tout ce qui était flyers, cartes de visite, parce que là, pendant que là, je suis chez moi pour retourner me changer, il y a des gens qui passent et qui regardent, enfin des gens qui installent, vous voyez. Et ce soir, il y a la cérémonie, donc les gens, ils vont quand même voir nos stands. Donc je me suis dit, allez, ça me fait déjà connaître. Mais demain, ça va vraiment être installation de tout ce qui est mes produits. Je vais aussi prendre mon lierre artificiel. Je vais aller chez ma mère là pour récupérer des fleurs artificielles pour essayer de donner un peu de couleur et un peu plus flash. Mais franchement, je suis trop contente de l'univers qu'on a réussi à créer avec les filles. On a chacune nos DA spécifiques et uniques, mais je trouve que ça rend bien tout ensemble. Et franchement, je suis trop excitée, genre je suis trop contente. C'est vraiment trop agréable, on se sent moins seule, on se sent aidée, on se sent soutenue, on est entre girlies. Enfin franchement j'adore et j'ai trop hâte d'être à demain et de pouvoir commencer à rencontrer les gens et de parler, discuter. J'ai hâte de voir ma table terminée, j'ai hâte de découvrir l'ambiance en fait, j'ai hâte. Et là du coup je vais partir pour la cérémonie, j'espère que je vais pouvoir vous filmer un peu quand même, ce serait cool. Et donc là je suis dans ma voiture, je suis allée chez ma mère, du coup j'ai récupéré les petites fleurs artificielles, j'ai trop hâte de les accrocher, bon pas aujourd'hui du coup, enfin parce que là je vais à la cérémonie. Je suis de retour chez moi et si vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas eu d'image de la cérémonie, bah c'est parce qu'en fait je n'y ai pas été. Je suis partie une heure plus tôt de chez moi, j'étais quasi sûre que j'allais être à l'avance, sauf qu'en fait ma voiture elle a commencé à trembler et il y a un voyant qui s'est allumé et je me suis dit mais s'il y a un problème avec ma voiture, j'ai pas envie qu'elle soit en panne dans un parking parce que ça va me coûter cher. Je me suis dit il faut que je la ramène chez moi, donc j'ai fait demi-tour pour la ramener chez moi. Et j'ai voulu appeler des gens pour qu'on m'emmène à la cérémonie. Sauf que mes proches ne répondaient pas, ils étaient occupés. Et d'un côté, je comprends, c'est vendredi soir, il y en a qui ont un travail, il y en a qui ont des enfants. Et j'ai pas non plus 30 000 personnes à appeler. Et bah donc, je suis coincée chez moi. J'avertis Manon pour qu'elle prévienne. J'étais pas non plus une personne d'honneur, donc en vrai, c'est pas très grave. Mais moi, j'aime pas. J'aime pas parce que ça me ressemble pas, mais c'est vrai que les soucis de voiture, c'est fou, hein, comme on est dépendant d'une voiture. Heureusement, demain, c'est ma mère qui m'emmène avec mes sacs. Donc quoi qu'il arrive, comme ça, j'ai pas de soucis. Mais c'est chiant. Et ça se trouve, c'était rien. Hein. Ça se trouve, j'aurais pu continuer et tout. Je vais essayer de rentabiliser le temps. Je vais préparer les sacs pour demain. Comme ça, demain, quand ma mère vient me chercher, j'ai juste à les prendre. Donc je vérifie, je double-check tout. Je me suis rendu compte que j'avais pas fait une affiche pour dire qu'il y avait moins de 10% de réduction si on prenait rendez-vous sur place. Donc je vais faire l'affiche et je vais l'imprimer. Comme ça au moins je rentabilise un peu le temps et je me sens un peu utile. Il faut que je passe une bonne nuit de sommeil. Donc je vais, après avoir fait ce que j'ai à faire, essayer de lire un peu pour me reposer, pour être en forme pour demain. Et j'ai quand même hâte d'être à demain, ça va être bien, j'ai hâte de finir ma table. J'ai hâte de retrouver les filles, qu'on soit toutes ensemble, de profiter de l'ambiance et tout, ça va être génial. Et voilà, faut que j'essaye d'oublier le fait que ce soir c'était un petit échec de ma part. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça va le faire. Donc du coup, on se retrouve demain pour le jour 2. Et coucou, ça y est, c'est le jour du salon. La lumière, elle est pas encore ouf parce qu'il est un peu tôt, mais j'avais envie de me lever tôt pour me préparer et pour vérifier que j'avais vraiment tout. Et ma mère va venir me chercher relativement tôt pour me déposer, donc je me suis réveillée à 5h du matin. J'ai essayé de me rendormir pour être honnête, mais j'ai pas réussi, c'est pas grave. Bref, je suis trop contente, je suis trop excitée. Hier, on n'a pas été toutes les 5 là en même temps, il y en a une qui est partie, une qui est arrivée, enfin bref, j'ai trop hâte. Comme hier, je vous montre ma petite tenue. J'ai voulu rester sur mes couleurs, j'ai pas mal de marron, ma nappe est marron quasi comme ça je crois. Donc je voulais un peu rester dedans, le vert pour le côté nature et ça c'est un de mes corset préféré. Bref, voilà, je me suis dit, je voulais quand même avoir une certaine DA. Je me suis dit, il faut attirer l'œil, il faut donner envie de venir. Donc, avec les feuilles qu'il y aura derrière, les fleurs et tout, je me suis dit, ça irait bien. Voilà, donc j'attends que ma mère vienne me chercher et on y va. My cause, I've been going through withdrawals.
trying to take the edge off, I need Novocaine. I've been trying to stand tall, I hope that you stand with me. You know all the greats fall, shit is all the same. Hot as napalm, next day kinda rain, gotta stay calm. Press play, put my heart in all of these songs. Display all of these wrongs, yeah, part of me is gone. You are a gift in itself, a measure of wealth, the meaning of selfless. I place you over the shelf and hide in pedestals over the belt. A shred of the waist on, no rhymes, constellation, observation of you. Here come the truth, I'm most overdue. Stuck over you, I've gone under. Living proof of God's wonders. Risk, I never thought it'd be this. I'm jumping out of your arms, I land and fall in a pit. Is this what they call the abyss? I fought and clawed for an inch, turning a miracle mile. I can recall when your lips used to contort into smiles. Bright as the sun that's drawn an eclipse. I haven't seen light in a while, hasn't been bright in a while. Chez moi, cette vidéo est terminée, ce vlog est terminé, le salon est terminé, on a fait le tirage au sort, je vais pouvoir contacter la gagnante lundi, donc d'ici que cette vidéo sort, j'aurai déjà contacté la gagnante. Bref, franchement, c'était une trop bonne expérience, c'est la première fois que je faisais un salon. Et étant introvertie, j'avais un peu peur, mais en vrai, j'ai adoré parler avec les gens, rencontrer les gens, discuter de mon métier, discuter de eux, pouvoir les conseiller, pouvoir les aider. J'espère que ça découlera sur des rendez-vous parce que j'ai vraiment rencontré des gens géniaux. Les filles avec qui j'étais, franchement, les filles, je sais pas si vous allez voir cette vidéo, mais c'était trop bien. C'est trop bien, en fait, de se sentir soudée, la sororité, vous savez que de toute façon, moi, j'adore. J'ai pu même discuter avec d'autres créateurs qui avaient dans le salon parce que le but c'était aussi de se présenter aux autres et de rencontrer les autres. Et franchement c'était trop bien, tout le monde est super agréable, tout le monde était super bonne ambiance. J'ai eu des petits coups de cœur. De toute façon je vous ai mis les contacts de pas mal de stands. Malheureusement j'ai pas fait le tour de tout le monde, c'est dommage. Mais j'espère en refaire un autre salon parce que c'était trop bien. Bref, cette vidéo est déjà trop longue donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous me suivez pas, n'hésitez pas à le faire. J'ai plein de contenus différents et vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram professionnel où justement vous pouvez suivre toute mon activité de naturopathe réflexologue. Si vous avez des questions, si vous voulez en connaître plus sur ces métiers, bah c'est par là qu'il faut aller. Et moi je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!